Al Pacino est devenu père pour la quatrième fois à l'âge de 83 ans. La compagne du célèbre comédien Nor Al-Fallah a accouché récemment, comme l'ont te confirmé des proches du couple. Carnet bleu à Hollywood. Al Pacino est devenu papa pour la quatrième fois, à l'âge de 83 ans. Effectivement, la compagne du célèbre comédien Nor Al-Fallah a accouché au cours des derniers jours, comme l'ont te confirmé des proches du couple à la presse américaine. Il s'agit de leur premier enfant en commun. Le site People affirme que le nourrisson est un petit garçon qui se prénomme Roman Pacino. La star du Parrain et sa petite amie, âgée de 29 ans, se fréquenteraient depuis la pandémie et sont apparus officiellement ensemble depuis le milieu de l'année dernière. La grossesse de la jeune femme n'avait été révélée par les médias outre-Atlantique, fin mai, alors qu'elle était déjà enceinte de 8 mois. Al Pacino, déjà père de 3 enfants, Nor Al-Fallah fait ainsi connaissance avec les joies de la maternité. Al Pacino, de 53 ans son aîné, lui, commence à être habitué. L'acteur a paru autant de classiques du cinéma que Scarface, It ou encore Un après-midi de chien, est effectivement devenu père pour la première fois à la cinquantaine. Jan Tarrant, sa compagne de l'époque, qui était sa professeure d'art dramatique, lui avait donné une fille prénommée Julie Marie. Il a ensuite eu la chance d'avoir des jumeaux. Anton James et Olivia Rose sont nés en janvier 2001, de son union avec l'actrice américaine Beverly D'Angelo, et dont ils s'étaient séparés 2 ans plus tard. Al Pacino, très excité par l'arrivée de son bébé il y a quelques semaines, après l'annonce de l'arrivée prochaine du bébé, Al Pacino s'était exprimé pour la première fois et en exclusivité au Daily Mail. Il s'était notamment confié sur le fait de devenir un nouveau papa, alors qu'il est octogénaire. Si est-ce très spécial. Je suis excité, a déclaré l'ami de Robert De Niro qui, lui, s'est remis à pouponner pour la 7e fois. Ça l'a toujours été. J'ai beaucoup d'enfants. Mais le fait que ça arrive en ce moment, si est très spécial. D'ailleurs, selon TMZ, Al Pacino aurait exigé un test de paternité pour être parfaitement certain d'être le père de l'enfant, compte tenu de son âge avancé.